Thomas Dithion, prendre deux buts le jour de son anniversaire alors qu'on ne démérite pas, goût amer ? Ouais, goût amer, mais je pense que c'est dommage parce qu'on a eu une bonne entame. On a réussi à se créer pas mal de situations. Après, on a un but qui arrive un peu contre le cours du jeu et on encaisse un deuxième but un peu trop tôt dans la deuxième période. Donc, à partir de là, on a été trop imprécis, trop peu disciplinés pour pouvoir inquiéter un adversaire qui était plus efficace que nous, qui était plus réaliste. Donc, faut pas s'alarmer, faut pas renier tout ce qu'on a accompli depuis tout ce temps, mais il faut savoir se remettre en question et continuer à bosser parce que on a la réalité en face de nous, c'est que toutes les équipes elles sont compliquées à jouer. Et maintenant, si on veut atteindre les objectifs qu'on se fixe aujourd'hui, ben, il va falloir mettre le bleu de travail rapidement. Mais justement, cette défaite serait revenue les pieds sur terre. Ouais, elle revient sur les pieds sur terre, mais on n'a jamais trop décollé dans le sens où on est resté mesuré dans la victoire, donc on reste mesuré dans la défaite. On est déçu parce qu'il y avait l'opportunité, il y avait des coups à jouer. Après, bien sûr, il y a de la déception, mais ça, comme je disais, ça remet pas tout en cause et ce serait une erreur de négliger tout ce qui a été accompli avant. Thomas, merci, bon anniversaire. Je vous laisse prendre votre douche. Merci.